j'ai obtenu quelques podiums au championnat du monde et je suis l'un des dirigeants de la Fédération mondiale. Comme parolier et écrivain, j'ai publié une trilogie dans des éditions françaises Maré Martin qui s'appelle « Le monde autour de la salsa ». Ce sont des carnets de route, je les fais en français, langue que j'ai choisie littérairement. Et comme parolier, j'ai la chance, le bonheur, le privilège d'être parolier de certains parmi les plus grands. Roberton de los Bamban, Emilio Frias El Niño, Misael Cabrera, Pedrito Calvo Jr., Mercado Negro et plein d'autres qui vont venir avec qui j'ai déjà des projets, je vous en dirai plus bientôt. Et pour finir, caricaturiste, qui était mon premier métier, mais en ce qui concerne le monde de la musique cubaine, je suis le caricaturiste officiel de los Bamban et de la Orquesta Aragón qui vient de recevoir le prix Grammy Latino. Ouf, j'ai fini de parler de moi. Très bien. Alors, nous allons parler aujourd'hui du baile de casino. Je mets entre parenthèses le terme salsa cubaine, on va y revenir tout à l'heure. Je voudrais que tu présentes tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, Cuba, puisqu'on va parler de la culture cubaine. Bien sûr. Alors, oui, en quelques mots, Cuba, cette île allongée qui penche et qui est un vrai miracle à 11 millions de personnes. Un vrai miracle, là je ne vais pas du tout parler de politique, un vrai miracle au point de vue musical, parce que le nombre de rythmes, de genres musicaux, de sous-genres, d'intergenres qui sont sortis, qui ont éclos à Cuba, est hallucinant. On va même jusqu'à dire que le merengue trouve sa source dans un rythme qui s'appelait Upa, ou bien Urpa, et qui donc... vraiment, c'est un miracle. Et sommairement, schématiquement, si on sépare Cuba depuis le milieu et qu'on va du côté, vous me voyez à l'endroit, donc je vais faire à l'endroit. Pour moi, en tout cas, ici, on va faire pour vous. Du côté ouest, va se développer le complejo, l'ensemble de la rumba, hein, tout ce qui est matanza. Et là, ça va être la rumba avec ce qu'on sait, Guaguancó, Jambú et Columbia. Et du côté de l'Est, c'est schématique, je le dis encore une fois, ça va être plus el complejo, l'ensemble du son, avec des villes comme Santiago, Guantánamo, Holguín. Donc, cette île est un vrai trésor musical. Elle devrait être patrimoine de l'humanité en tant que trésor musical. Ok, parfait. Très bien, donc nous situons bien Cuba. Alors, rentrons directement dans le sujet. On va parler du baile des casinos. Première question que je vais poser à tous les intervenants, quel que soit le style. Lorsque nous débutons dans un style de danse, la première chose à laquelle nous sommes confrontés, c'est ce qui nous permet de penser collectivement, c'est-à-dire un mot. Donc, nous avons le mot casino. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce mot casino, qui nous évoque d'autres choses? Pourquoi ce mot? D'où vient-il? Qu'est-ce qu'il veut dire dans ce cas-là? A-t-il une étymologie peut-être particulière que nous aurions besoin de savoir? Très bien. Alors, le casino est un lieu. C'est un lieu physique. Je vais vous raconter tout ça. Il faut que vous sachiez que de temps en temps, mon regard va aller vers l'oblique parce que j'ai plein de penses bêtes que j'ai mis, hein, des notes soigneusement que j'ai compilées juste au cas où. Alors, il y a une théorie très forte et une autre un peu plus faible. Le mot casino vient du casino deportivo de la playa du quartier de Miramar, qui était un lieu physique où cette danse, elle a commencé. Et la naissance de cette danse se situe en 56, certains disent 57. 1957, disent certains. Donc, cette manière différente de danser, on reviendra plus tard, vient et l'émergence, c'est dans ce club social. Et quelque chose qui ne me plaît pas et qui est comme ça, et après on verra les influences, c'était un club social pour blancs. Donc, ce qu'on appelle salsa cubaine, le style de salsa cubaine, a bel et bien éclos en tant que danse de salon dans un club pour blancs. Je n'aime pas ça plus que la plupart d'entre vous, mais c'est une vérité historique. Après, on verra les influences, évidemment. Alors, ce qui se passe, c'est qu'avant de danser casino, on allait danser música cubana. Une chose est importante, et si je parle comme ça, avec parfois une grande assurance, c'est que je suis le vecteur et je vous apporte la voix des fondateurs et de certains des premières époques avec qui j'ai des contacts réguliers. Donc, vraiment, je suis un porteur, d'accord? Il faut vraiment le voir comme ça.
Maintenant, on dansait beaucoup musique cubana et beaucoup le cha-cha-cha, on y reviendra. Et ça se passait souvent dans un coin de rue entre Prado et Neptuno. Parce que nous, en Amérique latine, on nomme les coins de rue pour dire, tiens, on va aller là, on dit la esquina, telle esquina. Après, les gens ont plus migré vers l'ouest de La Havane, vers ce casino deportivo, où justement, ils ont commencé à danser d'une manière différente. Alors, pour le nom, lorsque ces danseurs allaient... On m'entend toujours bien? On m'entend bien? Attendez, pardon, il y a eu un bug avec l'ordinateur. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Excusez-moi, il y a eu un bug informatique. Je suis désolé, mais on t'entend parfaitement. Est-ce qu'on a entendu ce que j'ai dit avant? On a entendu ce que tu as dit avant. D'accord. Moi, d'accord. Je ne l'ai pas entendu, mais le public l'a entendu. Le public acclame, le public applaudit, super, c'est tout ce qui m'intéresse. Donc, je continue ça. Et dans les clubs où ces gens allaient danser, ou ceux du casino, parce qu'il y avait plein de clubs, hein, il y a plein de noms, et surtout dans le club náutico de la plage, hein, on disait, hey, regarde, il y a ceux du casino. Mira, están los del casino. Ou bien, comme dit Ángel Baracó Amena, dont je parlerai plus tard, c'était souvent les femmes, les danseuses, qui disaient aux hommes, oye, hazme bailar como en el casino, fais-moi danser comme dans le casino. C'est pour ça qu'au départ, selon un autre témoignage, ça s'est appelé baile del casino, danse du casino. Et après, c'est devenu baile de casino, danse de casino. L'autre théorie que certains fondateurs défendent, parce qu'il faut bien tout au long de ce live, il faut bien vous dire que toute théorie va avoir sa contre-théorie. Nous sommes dans un monde d'une danse qui est née de manière empirique, improvisée, c'est évolutif, populaire. Donc certains des fondateurs étaient au même endroit, à la même table, et ils ne sont pas d'accord entre eux. Vraiment, c'est un casse-tête. Ça, il faut vraiment bien le garder justement en tête. Certains autres, des vieux, très vieux casineros, disent qu'on doit ce nom al Conjunto Casino. Conjunto, c'est un orchestre qui jouait donc parce que ces fêtes-là, ces journées de matinée, voire ces soirées, se passaient avec des orchestres en live. Ça, c'est très important, dont l'Orchestre América de Nom Mondeja, on parlera du cha-cha-cha. Et donc, certains disent que c'est à cause du Conjunto Casino, mais la théorie, disons, la plus digne de foi est celle du lieu physique Casino Deportivo de la Playa de Miramar de la Havana. Voilà. D'accord. Alors, pour appuyer ce que tu viens de dire, on va voir un extrait d'une vidéo d'un groupe qui s'appelle Los Fundadores de la Rueda de Casino. Voilà, c'est ça. Vous les voyez à l'écran, logiquement. Oui. On est parti. Voilà. Alors, puisqu'on a la vidéo, oui. Est-ce que tu peux étayer qui est ce groupe par rapport à l'histoire que tu viens de raconter? Alors, ça, c'est le groupe de certains des fundadores, certains des premières époques. Là encore, certains étaient des vrais fondateurs de ce style et d'autres se sont greffés et sont venus après. Souvent, dans cette rueda des fundadores, cette rueda, elle était dirigée, par exemple, par Purito, Julián Díaz, que je ne vois pas à l'image, mais il dirigeait souvent. Et Julián n'était pas de la première époque. Donc, on l'appelle El Purito, qui veut dire le petit vieux à Cuba. Et ces ruedas que vous voyez là à l'écran, elles avaient la particularité d'être... Je me demande si ce n'est pas Pepe Argote que je vois là. Ça, c'est Pepe. Pepe Argote que je vois en premier, on en parlera plus tard. Pepe Argote que je devais faire venir en Europe et qui, malheureusement, est décédé il y a quelques années en Équateur, juste avant que je puisse l'amener ici. Pepe qui m'a donné un matériel inédit que j'ai et que je sortirai une fois. Il est dans l'un de mes livres, mais pas en intégralité. Pepe Argote est celui que l'orchestre d'Adalberto Álvarez, dans sa chanson « Para bailar casino », que l'orchestre nomme quand il dit « Llega Pepe con su rueda de casino, ya se formó, la rueda ya se formó ». Pepe, c'est lui. Et l'anecdote pour Pepe, puisque je vais m'en tenir à lui,
c'est qu'on l'appelle cara de sueño, on l'appelait cara de sueño, visage de sommeil, parce qu'il avait des petits yeux. Et celui qui l'a appelé comme ça, c'est rien moins que le numéro 1, Benny Moré, le grand Benny Moré. Et Pepe me disait qu'il avait 11 ans. Et Benny Moré venait chez lui parce que ses parents à lui étaient musiciens et compositeurs. Et lorsque Benny a vu pour la première fois le petit Pepe, qui avait 10-11 ans, il lui a dit « Oye, ese chico parece que tiene sueño, tiene cara de sueño », parce qu'il a, il avait vraiment des yeux un peu chinois. Voilà l'anecdote pour Pepe. Et là, vous avez vu certains des fondateurs ou des gens de la première époque. Ok, perfect. Wow, ah, super matériel. Du coup, de cette question, je vais arriver à la deuxième partie importante. Est-ce que, du coup, au-delà de ces personnes que l'on vient de voir en vidéo, on doit le style Cassino à des gens en particulier? Alors, oui, j'ai envie de dire oui et non. Et il faut bien vous représenter la chose suivante, même si ça paraît bizarre. Un petit groupe d'amis danse avec des influences différentes et crée de manière empirique et improvisée un style, et style qu'ils sont loin d'imaginer qu'un jour il aura la portée qu'il a aujourd'hui. Ils n'avaient absolument pas conscience d'être en train de créer un nouveau style. Ils le disent tous. Ils insistent tous sur le caractère empirique. Empirique veut simplement dire qu'il s'appuie sur l'expérience. Donc la théorie ne vient pas avant la pratique, mais le contraire. C'est pourquoi, et j'insiste, et peut-être les personnes disons bien qui connaissent bien le milieu vont comprendre à demi-mot. Ne croyez jamais des méthodes qui vous disent de manière rigide que cela doit se danser absolument comme ça, que tel déplacement est absolument comme ça. Les codes sont les codes, bien sûr, on y reviendra. Et, mais quand quelqu'un vous dit « c'est comme ça et c'est pas autrement », partez en courant. C'est tout ce que je peux vous dire, parce que la nature de cette danse, elle est comme ça, elle est d'être évolutive et populaire et empirique. Et chaque chose garde sa nature. Il est rare qu'on voit une gazelle manger un tigre, parce que la nature du tigre est d'être le prédateur. C'est une question de nature, simplement des choses. Et la nature du casino, elle est ainsi, et c'est d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est pour ça que j'ai écrit Casinero si o si, interprété par Pedrito Calvo Jr., que Magito Rivera devait chanter au départ, et finalement après, bah, c'est fini en queue de poisson, mais bon, aucun problème, on est copains, mais simplement ça ne s'est pas fait. Où je dis Casinero no hay casino, se hace casino al bailar. Danseur de casino, il n'y a pas de casino, le casino se fait en dansant. Et en fait, c'est une digression, je dénature un peu le poème d'Antonio Machado, un des poèmes les plus connus, qui dit « Caminante no hay camino, se hace camino al andar ». Enfin bref, donc c'est un groupe de gens, c'était empirique comme je le dis, et par exemple, Marta Versi, une grande investigadora, chercheuse cubaine qui habite à Buenos Aires, elle insiste beaucoup sur le fait que c'était des ados ou des post-ados, et que ça se faisait surtout dans les fêtes de 15 ans, cumpleaños de 15, anniversaire de 15 ans, qui sont très importants chez nous. D'autres disent qu'effectivement ça se faisait là, mais ils réfutent catégoriquement que l'éclosion ait eu lieu vraiment dans ces anniversaires, mais c'est vraiment dans le casino. Il y a en revanche des noms, il y a bel et bien des noms, des grands noms qu'on peut extraire. Il y a par exemple Juanito Gómez, qu'on surnomme El Abuelo, le grand-père. Voilà la caricature que j'ai fait l'autre jour de lui. Merci Jérémy. Il a l'air tout étonné que je parle de lui. Alors, Juan Gómez, Juanito, le petit Jean, je crois que dans Robin des Bois, il n'y a pas le petit Jean, il n'y a pas un gars qui s'appelle Jean. Il me semble, dans Robin des Bois. Et El Abuelo, lui, c'est vraiment un tout grand. En ce moment, à Cuba, il est très actif encore, parce qu'il il a un projet qui s'appelle Proyecto Rueda de Casino, que son fils Boris, établi en Italie, il relaye aussi. Boris, d'ailleurs, a écrit un livre en italien, très, très intéressant sur le casino et la rueda de casino. Donc, si vous mettez Boris Gómez, sans doute, vous allez le trouver. Autre figure de marque, c'était El Oso, l'ours, de son vrai nom, Joaquín Roche. Donc, vous avez entendu El Oso. Les ruedas de El Oso, de l'ours, étaient les plus populaires parce qu'elles étaient, comment dirais-je, il acceptait
plus ou moins, pas tout le monde, mais beaucoup de gens. Les autres étaient plus élitistes peut-être. Si tu n'étais pas un très bon danseur, tu n'entrais pas. Tandis que les Rueda del Oso, tu n'étais pas un très bon danseur, tu pouvais le faire. C'était les Rueda les plus populaires. En revanche, il y a une théorie aussi par rapport à son surnom, l'ours, qui va peut-être contredire un petit peu ça. Paraît-il, une fois, il a dit à une femme de sortir de la Rueda parce qu'elle était perdue. Nous, on dit perdue comme Adam le jour de la fête des mères dans mon pays. Imagine Adam avec un bouquet, il ne le donne à personne. Donc, elle était perdue comme Adam le jour de la fête des mères. Et quand elle est sortie, cette dame, apparemment, elle a dit « Mais quel ours! Quel ours! Pero que oso! » Parce qu'il avait des manières d'ours. Voilà. Et d'autres noms, bon, on va surtout donner, malheureusement, n'oubliez pas que c'était un ancien temps où les femmes avaient un rôle un peu moindre. Je suis encore une fois désolé, mais on retient beaucoup, hélas, on retenait beaucoup les noms des hommes. Mais il y avait une certaine danseuse qui s'appelle Gladys, comme ma mère, mais ce n'était pas ma mère, qui était une très bonne danseuse. Mais il y a un couple phare, et qui est en grande partie responsable de l'universalisation, d'abord par Cuba évidemment, de la Rueda et du Casino. Je veux parler de Rosendo et de Caruca. Caruca est donc une femme, était sa danseuse. Rosendo et Caruca, ils ont eu ce grand mérite de sortir la Rueda des cercles plus intimes et de l'amener à la télévision cubaine via le ballet de la télévision cubaine. Et dans les années 80, au début des années 80, donc tu vois, c'est né en 56. Tout le temps que cette danse a attendu pour arriver à la télé. Et là, il y a pas mal de vidéos où on voit, elles sont en noir blanc, où on voit Rosendo Caruca et d'autres danseurs arriver et danser, prendre le devant de la scène. Donc ça, c'est très important. Et si vous allez sur ces vidéos, vous verrez que parfois, voire souvent, ils vont danser le casino sur le temps du son. Sur le contretemps, Casino Soneado. Mais ça, je reviendrai aussi plus tard. Il y a d'autres noms, par exemple, j'en parlerai plus tard, il y a Baracoa Mena, Argelio del Nodal, qui était considéré comme peut-être le meilleur d'entre tous, Mario Balboa, Miguel Ángel Carreño, José Recio, Ávila, El Chino, un qu'on appelait El Chino, qui est sur Facebook. Il y avait Charles Bronson. Il y en avait un, on le surnommait Charles Bronson. Il devait ressembler à Charles Bronson. Ah ouais, Charles Bronson. Et il y avait aussi, justement, Pepe, dont je viens de parler, José Argote, l'encara de sueño, José Lázaro, Pepe Argote. Ah ben voilà, là vous allez voir dans cette caricature que j'ai fait de lui, à quel point il a des petits yeux. Et je lui ai fait dire, cuando llegue yo se acaba el cuento, quand j'arriverai, donc sous-entendu en Europe où il n'a jamais pu venir, les racontars cesseront. C'est-à-dire, je vais rétablir la vérité. Et lui, c'est plus un fondateur de ce qu'on appelle la deuxième époque 64 post-révolution. Et voilà, donc je disais, ça c'est les noms, ça c'est les noms. Et puis il y a ce débat qui va rejoindre un peu l'œuf ou la poule. Hein. Qui était avant? Est-ce que c'était l'œuf ou la poule? C'est-à-dire, est-ce que c'était la rueda ou est-ce que c'était la danse en couple? Est-ce que la rueda a conditionné et a fait que la danse en couple, telle qu'on la connaît dans le casino, d'origine en tout cas, est née, ou alors est-ce que ce sont des gens qui dansaient en couple qui ont commencé à danser en rueda? Apparemment, la logique dirait que c'est cette deuxième version. D'autres disent que c'est les premiers. Mais je parlerai aussi de l'influence du cha-cha-cha plus tard, peut-être si on a sûrement le temps. Parce que le cha-cha-cha a influencé d'une manière très très forte la rueda. La rueda se faisait au départ dans le cha-cha-cha. Et j'insiste sur le fait que tu m'as demandé qui étaient ces gens. C'était des gens qui avaient pour la plupart un bon pouvoir d'achat, de race blanche. Donc des gens qui avaient, qui étaient à l'aise financièrement et très jeunes. Dans des clubs de blancs et certains, il y a une anecdote qui dit que Fulgencio Batista, le président de la République avant Castro, avant la Révolution, s'est vu interdire l'entrée d'un de ces clubs parce qu'il était plutôt, Alors à quel moment s'est-il vu interdire? Ça m'étonnerait que ce soit quand il était président. Donc voilà pour les gens, si tu veux que... Donc tu m'as demandé, puis les lieux aussi... donc c'était dans des clubs. Souvent ils disent, les gens, tu entendras dire,
Oui, mais ça se passait surtout au club Patricio. Au club Patricio. Patricio Lumumba. Ouais, exactement. Mais ça, ce n'est possible qu'après la Révolution, parce qu'il était évident, déjà Patrice Lumumba, ex-premier ministre congolais, pas premier ministre, ex évidemment, il est décédé, il est décédé en janvier 61. Ce qui fait qu'il était d'un bord plutôt proche du pensée révolutionnaire. Ce qui fait que du temps où le casino est né, en 56-57, il était impensable qu'un club se fût appelé Patricio Lumumba. Donc évidemment, Patricio Lumumba, ce club s'est appelé en honneur à Patrice Lumumba du temps de Fidel Castro, puisqu'il avait les mêmes idées. Donc lorsque le casino Deportivo de Miramar a fermé, les gens ont beaucoup migré vers le Patricio Lumumba. Le Patricio Lumumba, lui, a fermé en 68, le club. Ce qui fait que la deuxième étape, qu'on va appeler deuxième étape de fondation, de résurgence du casino, elle se situe autour des années 63-64. Et autre chose, pour finir ça, tu me dis si je parle trop, hein, si je saoule les gens. Hein. T'inquiète pas. Il y avait des clubs de Noirs et de Métis aussi. Par exemple, il y avait la Polar de La Habana ou surtout los Jardines de la Tropical. Et il y a quelque chose d'intéressant que Ángel Mena, qu'on appelait Baracoa, parce qu'il était... Baracoa, c'est la ville la plus à l'est de Cuba, et c'est là, dans la petite plage de Baracoa, que Colomb a découvert l'Amérique. Et lui, on l'appelait Baracoa, parce que quand il était à La Habana et qu'il venait de Baracoa, on lui disait « Oye, Baracoa !» Voilà, on l'appelait du nom de sa ville. Lui, maintenant, il est établi depuis 30 ans au Costa Rica. Il est un des fondateurs de Guaracheros de Regla. Baracoa disait que, et ça, regarde comme c'est étonnant, que la salsa, ce qu'on appelle la salsa en ligne, la salsa portoricaine, on va l'appeler en France, hein, LA, New York. À l'époque, les gens qui dansaient en ligne, c'est-à-dire comme les bases de la salsa en ligne, ceux des clubs de blancs disaient cette phrase qui était despectiva, comme on dit chez nous, elle était un peu méprisante. Elle disait « Oye, tu haces los pasos de los negritos de la tropical. » Tu fais les pas des negritos, des petits noirs de la tropical. Los Jardines de la Tropical était un club de noirs et de métis où ils dansaient plus, voilà, chacun avait plus ou moins son style en ligne. Et donc, Baracoa Mena a dit, mais ceci, et petite anecdote en passant, vu que j'en ai des milliers et que mon cerveau est un fouillis, donc mets-y de l'ordre au cas où je me perds. Lorsque j'étais invité par mon grand ami Alfredo Torres à enseigner dans son école en Bulgarie, Alfredo a un style très particulier, c'est un Cubain mais qui danse la ligne. Et il m'a dit que quelques années avant moi, il avait invité Santiago Alfonso, qui est le directeur historique de la Tropicana. Et lorsque Santiago, à Sofia, a vu danser Alfredo, Santiago lui a dit, alors qu'il dansait la ligne, hein, il a dit, toi tu danses comme nous les Cubains dans les années 40. Tu vois comme c'est intéressant tout ça, comme il y a des vérités, des contre-vérités, c'est intéressant. Hein. Alors, voilà, fini pour cette question. Ne t'inquiète pas, il y a un truc, pour faire la petite parenthèse pour ceux qui suivent en live, ceux qui ont suivi le premier live, je vous ai promis que dès que j'aurai le temps de me poser dessus, j'aurai un bouton pour mettre des bruitages et que j'aurai un bruitage d'un Jamaïcain qui criera « Poulo » quand l'intervenant dit des choses aussi énormes que ce qu'il vient de se dire. Promis, un jour, il y aura le bruitage pull-up pour qu'il puisse répéter. On l'attend, on le veut. T'inquiète pas, je vais le faire, je vais prendre le temps, hein, c'est un peu la course, et puis dès que ça va pouvoir se faire, je vais le faire. Et promis, là, ce que tu viens de dire, c'est extrêmement important pour la compréhension de beaucoup d'entre nous. J'ai d'ailleurs des gens qui font le commentaire en mettant pull-up. Promis, le bouton va se faire. Alors, on va continuer un petit peu dans le truc, puisque l'idée, c'est de faire une espèce de version synthétique pour ceux qui découvrent le casino. Je voudrais que tu parles de la danse en elle-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que lorsque l'on regarde des danseurs, on puisse, qu'on soit expert ou pas, dire ça,
c'est du casino, parce qu'il y a ça, ça, ça. Quels sont les éléments, les bases, les énergies? Est-ce qu'il y a des trucs qui font que c'est casino? Alors, puisqu'on oppose, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre, mais qu'on oppose, ne serait-ce que visuellement, le casino, la salsa en ligne. La salsa en ligne, et là, son nom, elle dit bien ce qu'elle veut dire. La trame du casino, l'entramado, est circulaire. L'entramado, la trame est circulaire et en général, je dis bien en général, et attention, parce que ça ne doit pas être, encore une fois, un dogme. Ça ne doit fuir les dogmes. Mais en général, aussi bien le danseur que la danseuse, et surtout la danseuse, marque en avant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'au lieu d'aller, par exemple, son 1 en arrière, imaginez danseuse, pied droit, 1 en arrière, va marquer le 8, très important, le 4 et le 8, hein, parce qu'on dit c'est la pause, mais elle est vivante, ce sont des silences, ça équivaut à une note. Hein. Donc quand on compte 1, 2, 3, 5, 6, 7, c'est réducteur. Il faudrait compter 1, 2, 3 et 5, 6, 7 et. C'est très important, le et. Le et, le 8 et le 4 sont la préparation de ce qui va venir. Donc, imaginons, dans le 8, pointé, et le 1 va être sur place ou en avant. Ça, c'est directement influencé par la rueda, parce que quand vous faites une figure comme entufla ou entufa, là, encore une fois, il y a une guerre entre les deux noms. Mais pour les guerres, j'en aurai pour 3 semaines. Yes, pull up, pull up. Thank you. Et je vais continuer le live en anglais, peut-être. Alors, et pour l'entufla, par exemple, imaginez, vous devez entufla. Une danseuse. La danseuse, elle doit aller devant moi et elle va se derrière moi pour que l'autre danseur puisse, voilà, lui faire un dile que no, et le danseur doit faire pareil. Si elle doit aller ici, elle ne va pas aller en arrière pied droit. C'est comme vouloir courir derrière un bus et commencer comme les dessins animés. Je prends l'élan derrière. Donc, elle va en avant et elle va en avant. Ça, c'est l'influence de la rueda et de la logique de la rueda sur la danse elle-même. Pour ce qui est, d'ailleurs, il y a, par rapport à ça, il y a un mème du film Taken, où on voit Liam Neeson. Vous voyez cette scène, voilà, il va arriver, je crois. Voilà. C'est marqué en espagnol, en français, c'est marqué casinero, danseur de casino. Si tu continues à marquer en arrière, je te chercherai, je te trouverai et je t'assassinerai. Alors, voilà, exactement. Là, ça dit tout ce que ça veut dire. Et ça, c'est pour ce qui est des bases. Les codes, c'est très important, le cadre. C'est-à-dire, bien sûr, c'est circulaire avec des tours, papa, mais à chaque fois, à la fin de la séquence, à la fin de la phrase musicale, revenir dans le cadre. Ça, c'est très important. Un vieux cubain m'a donné un truc, par exemple, lors du tour arrière de l'homme, que certains appellent finta, ou lors de certaines figures, à la fin de la figure, donc dans le 7-8 de l'homme, le 7, le pied droit de l'homme, la partie extérieure du pied droit de l'homme va chercher la partie extérieure du pied droit de la femme. Donc, 5, 6, 7, pied droit de l'homme, pied gauche, pied droit de l'homme, pied droit de la femme, exactement. Et va chercher à se mettre à côté. Il ne se met pas comme ça, il ne se met pas comme ça, pour bien respecter le cadre. Ça, c'est un petit truc. Et puis, les codes, c'est que toutes les figures, elles répondent en fait à une ossature. L'ossature, elle est composée d'un basilala, la figure où la danseuse part en avant, voilà, d'un basilala, d'un enchufla ou enchufla, d'un sacala ou exhibela, selon comme on dit le nom de cette figure, d'un camina, d'une marche, et d'un dile que no. Vous avez toute la salsa cubaine, entre guillemets, tout le casino est là-dedans. Tout le reste, ce sont des variantes, autant qu'on a d'articulation pour les figures. Et voilà, de cette charpente. Et finalement, il y a 3 guidages aussi, mais ça, c'est valable pour les danses en couple en général, ça, vous le savez. Il y a le guidage Manolo d'Espagne. Il y a le guidage manuel. Il y a le guidage corporel ou guidage d'intention. Souvent, je réfère à mes élèves un dile que no sans se toucher. Et par exemple, lorsque l'homme avance, il un, dos, tres, la danseuse passe comme par miracle. Il n'y a pas de miracle, c'est le guidage d'intention. Et le guidage visuel, pour des figures plus compliquées, où vous allez amener, on va dire, votre œil, là où vous voulez qu'aille la main de la danseuse. Donc, il un, dos, et fui para allá. Pour que la danseuse, si elle vous capte le regard, elle voit à quel moment vous regardez
et ça fait qu'elle va là où vos yeux l'invitent à aller. Ça, et puis, ça, c'est pour les codes. Et puis, je crois que tu m'as dit un petit peu bah, par rapport aux limites. Quelles sont les limites aussi du casino? En fin de compte, la vraie limite que je vois, c'est, de par sa nature empirique, sa vraie limite, c'est ces carcans. Ça sonne évidemment, c'est bizarre de dire ça, parce qu'une limite devrait être quelque chose de négatif, alors que là, je le tourne en positif. C'est-à-dire, comment j'ai mis ça? J'ai mis quelque chose d'intéressant. Voilà, finalement, sa limite, c'est que le casino peut très difficilement être limité. C'est parfois plus facile pour le non-averti de vouloir quelque chose de totalement codifié. Que chaque... Vraiment, je veux que ce soit codifié parce que c'est plus facile pour moi de l'apprendre. Je suis quelqu'un d'éminemment cartésien, il me faut savoir ça. Mais là, le casino touche à ses limites parce que sa nature fait que chacun va l'exprimer tout en gardant les codes, va l'exprimer de manière différente et personnelle. Donc, ceux et celles qui vont vouloir quelque chose de vraiment rigide avec des codes archi clairs et universels, pas forcément avec le casino. Ok, alors ça, on ne va pas avoir le temps, mais pour dire en deux petits mots, j'ai une pensée pour mes élèves de l'association Aucun Redeem. J'avais dit quelque chose comme ça dans un cours et je le dis là en live parce que peut-être que pour d'autres profs, vous avez vécu la même chose que moi, de me retrouver avec cette difficulté de détailler les mouvements et de dire comment je peux leur faire comprendre. Et je me suis retrouvé un jour à leur dire, vous savez, le guidage, c'est d'abord votre corps avant les mains, c'est l'intention. Et là, tu l'as expliqué très clairement. Alors, je ne sais pas si les autres profs là qui regardent ce live, vous avez le même peut-être la même réflexion, peut-être vous en avez eu d'autres et ça va nous nourrir, mais c'est vrai que là c'est expliqué clairement et je vais pouvoir me nourrir de ça pour mon enseignement maintenant. Merci beaucoup. Super Jérémy. Et par exemple, c'est très clair que tout est question d'intention, ne serait-ce qu'au moment où on commence à danser, puisque c'est l'homme qui guide, hein, et que l'homme veut faire comprendre à la danseuse. L'homme ne fait pas comprendre avec ses pieds, il fait pas un kick. Et souvent, je donne cet exemple, si vous êtes dans la rue et que vous voulez demander, tiens, on va dire à une dame, puisqu'on parle de rapport homme-femme maintenant, en tout cas de rapport de danse homme-femme, vous voulez demander l'heure à une dame, vous ne lui dites pas de but en blanc, c'est quelle heure? Et t'en colle une. Donc, il y a une gestuelle, on cherche le regard, le corps fait comprendre qu'on veut s'adresser à la personne. C'est la même chose pour la danse. Ça part, comme tu l'as dit, ça part de là. Ça part de l'intention qui va faire comprendre. Donc, l'importance du 4 et du 8. Jorge Camagüey, mon cher Jorge Camagüey, le répète à loisir et à foison. Le 4 et le 8, le 4 et le 8. C'est pas 1, 2, 3, je m'arrête. 5, 6, 7, je m'arrête. Le 4 et le 8 sont habités. Voilà, Jorge Camagüey, mi hermano, avec son beau chapeau. Et en fait, j'ai une anecdote pour cette caricature. Comme il organise le festival Guaguanco, je lui ai fait un truc genre Nakanoï. Et les gens m'ont demandé pourquoi. Mais en fait, c'est parce que j'avais raté son œil. Dans le dessin, j'avais raté son œil gauche. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Du coup, j'ai fait ça. Voilà, souvent, les explications sont les plus simples. Hein. Mais si ça se trouve, c'est là que l'art est important. Si ça se trouve, tu vas lui inspirer un truc et ça va... J'espère qu'il ne va pas perdre son œil. Non, j'espère pas non plus. Jorge Camagüey, alors pour le petit détail, pareil, après je vais essayer d'aller rapidement. Pour le petit détail, Jorge Camagüey, ce monsieur en Europe a influencé énormément d'Européens, je vais rester dans les Européens, qui aujourd'hui sont d'excellents danseurs. Je pense... Et bien je sûr. Mauricio Vera Nunes, qui est un excellent casino. Et c'est quelqu'un qui a Cristian Mauricio qui a un cœur comme ça. Magnifique. Voilà. Je pense aussi à tous ceux qui sont allés au festival de Rueda à Bordeaux. Vous avez admiré un groupe qui s'appelle la Escuela Raíces. Et la Escuela Raíces, alors je ne veux pas écorcher leur nom, parce que je vais avoir du mal avec l'espagnol, mais la Escuela Raíces, ce sont des élèves de Jorge Camagüey qu'il a mis en avant. Je repense à Rosalia aussi, qui est une excellente interprète d'Orisha.
danseuse de son. Voilà, je pense. Et alors, les gens, ils aiment bien les anecdotes. Jorge Camagüey ne peut pas enseigner le samedi après-midi parce qu'il est religieux. Et le samedi après-midi, il lit la Bible. Alors, il a été engagé dans des festivals où les gens ne savaient pas ça. Et très vite, je vous la fais parce que c'est une anecdote. Et deux semaines de suite, la vie nous a mis ensemble dans des festivals. Une semaine, c'était à Sydney, en Australie. Et la semaine suivante, c'était au Danemark. Et les deux fois, j'ai dû le remplacer en courant parce que monsieur lisait la Bible. Et l'une des fois, au Danemark, j'ai enseigné avec Rosalía. J'ai eu ce privilège. Rosalía. Et c'est une merveille de danseuse. C'est réellement, ce sont des gens, si je ne sais pas s'ils vont voir ou pas, mais j'essaierai de les taguer après, ne serait-ce que pour que vous alliez voir ce qu'eux, ils font. Je suis passé moi-même entre les mains peu de temps, puisque je suis en France, il est en Espagne, mais je suis un peu passé entre les mains de Jorge Camagüey dans son festival. Il faisait une formation, c'est grâce à lui que j'ai rencontré El Goyo, c'est grâce à lui que j'ai rencontré Juan de Dios Ramos, les deux paix à leur âme. J'ai, grâce à lui, rencontré Ismaël Chacón, qui m'a fait rencontrer son père et son grand-père, qui m'ont énormément influencé. Ce monsieur est responsable de beaucoup de très très grands danseurs en Europe. Salutations. Absolument, j'ai été témoin au festival de Tunisie. J'étais témoin d'un moment où un groupe de Russie lui a remis à Jorge un diplôme qui disait qu'il était le vrai mentor des danses cubaines en Russie. C'est fort possible. Franchement, un grand monsieur. Je continue puisqu'on va essayer de faire un timing. Oui. Alors, je t'ai demandé sur les codes, les bases. Je voudrais maintenant que tu me parles de... Alors, tu l'as déjà un petit peu évoqué, mais est-ce que tu pourrais parler ou donner des anecdotes sur le pourquoi et le comment on a inventé, on a créé ce style de danse. Je fais une petite continuité à ma question. Pour ceux qui regardent et qui n'ont peut-être pas les connaissances qu'on a dans ce style, on imagine Cuba, quand on lit un petit peu, quand on regarde, il y a le son cubain qui était présent, le mambo qui était présent. Alors, il y a plein d'autres styles de danse qu'on connaît peut-être un petit peu moins. Mais voilà, on imagine ça, on entend parler de la rumba quand on ne sait pas, etc. Et on se dit, pourquoi le casino alors qu'il y a déjà ces choses? Donc, le pourquoi et le comment de la création du casino. Alors, le pourquoi, moi, je dirais que c'est la magie des choses. C'est-à-dire, ces choses qui naissent presque sans pourquoi ni parce que. C'est-à-dire, ça répond sans aucun doute à un besoin de nouveauté. Nous l'avons à toutes les époques de la vie. Le besoin de nouveauté, que les choses évoluent. Mais une nouveauté pour une nouveauté, elle reste creuse et vive. Ceci est devenu un phénomène planétaire. Parce que cette nouveauté s'est appuyée sur la créativité. Voilà la vraie, pour moi, la clé de la chose. C'est-à-dire, encore une fois, personne ne s'est dit, viens, on va créer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire le buzz, on dirait aujourd'hui. Bien, on va essayer de faire le buzz. Non, simplement, ils ont fait des choses. Je vous dirai le comment dans quelques secondes. Ils ont fait des choses. Et cette chose a transcendé. D'abord, elle a commencé à se diffuser dans les autres clubs sociaux, dans les autres quartiers. Ensuite, Cuba, la télévision cubaine avec Rosendo y Caruca, les pays à côté, souvent le Mexique à cause des liens d'amitié, de fraternité entre les deux pays culturellement, et puis le monde. Moi, j'ai enseigné au Bahreïn, j'ai enseigné en Mongolie, j'ai enseigné en Alaska, j'ai l'Antarctique. Donc c'est vraiment, je pense pas qu'il y ait eu un pourquoi comme un dessin, faire un dessin, un but. En revanche, le comment. Il y a des influences et des mélanges de son, évidemment, de cha-cha-cha, de cha-cha-cha, de swing, de rock et de rumba. Parce que ceux qui vont dire, il y a encore des racistes aujourd'hui. Il y a beaucoup de racistes. Et même dans le casino, il y en a beaucoup. Et qui vont dire, c'est des blancs, anthropologiquement, je vous le dis, anthropologiquement, c'est une danse de blancs, etc. Où il n'y avait pas au départ d'éléments de rumba, c'est faux. Il y avait des éléments de rumba. Los guaracheros de regla faisaient de la rumba, ils étaient blancs. Donc, et bien sûr que c'est né dans des clubs de blancs, ça on est d'accord. Mais
ces gens-là ne passaient pas 24 heures sur 24 dans des clubs de blancs. La Cuba de tous les jours est une Cuba de mixité, avec des influences qu'ensuite ils allaient apporter dans le casino. Alors, il y a des influences, comme je vous l'ai dit, par exemple pour le cha-cha-cha. Ça, c'est très important. J'ai pris des notes, je les regarde de temps en temps pour ne pas être... En 1951, il y a ce qu'on appelle le premier cha-cha-cha, la engañadora. La engañadora qui vient être le premier cha-cha-cha. Parfait. Et voilà. Et là, ça arrive. Voilà. Ça, c'est ma caricature d'Enrique Jorrín, le violoniste de l'Orchestre América de Ninon Mondeja. C'est à lui qu'on attribue la paternité, évidemment, du cha-cha-cha. Maintenant, dernièrement, il y a eu, par rapport à une autre thèse, un grand investigateur cubain qui s'appelle Ricardo Oropesa, qui en ce moment sur Facebook a son nom d'Abacua, et qui a écrit sur le fait que ce n'était pas Jorrín, mais que c'était vraiment Ninon Mondeja, le directeur de l'Orchestre América, qui a commencé avec le cha-cha-cha. Donc, le 51, l'engañadora, mais c'est en 53 que le cha-cha-cha commence à être vraiment un cha-cha-cha. Au départ, le cha-cha-cha s'appelait néo-danzón. Donc, il faut bien vous dire que les gens jouaient des danzones. Les gens jouaient des danzones. Le mambo, 38-39, aussi bien soit les frères López, Oreste et Cachao, soit Arsenio Rodríguez, qui s'attribue la paternité, mais le grand diffuseur étant Pérez Prado. Le mambo vient du danzón. C'est la dernière partie gaie, joyeuse de certains danzones qu'ensuite on a étiré pour faire un morceau entier. Le cha-cha-cha vient du danzón. C'est-à-dire, ce sont des arrangements. Là, encore une fois, regardez le côté empirique. Des arrangements que faisait l'orchestre. Oui, ils se sont rendus compte, « Eh, ça suena diferente, qué rico !» Mais quel nom on trouve à ça? Mais je ne sais pas quel nom. Mais c'est nouveau. Alors, appelons-le néo-danzón. Ça s'est appelé cha-cha-cha parce qu'à un moment, ces orchestres, sans doute l'Orchestre América, ils ont vu que les danseurs faisaient, on ne va pas dire le bruit, hein, ils ne dansent pas avec des haut-parleurs sur la plante des pieds, mais qu'ils faisaient ces trois pas sur les syncopes du cha-cha-cha, ce qui fait que le cha-cha-cha, aussi bien comme musique que comme danse, est une onomatopée. Ah, je tousse, je mets cof-cof, donc j'éternue à tchoum. Donc, le cha-cha-cha est un atchoum. Ça, c'est le résumé. Waouh! Le cha-cha-cha est un atchoum! Et et le cha-cha-cha a influencé de beaucoup de manières. Par exemple, dans mon échange avec les fondateurs, ils me parlaient de certains ports de bras, certaines choses que les danseuses ne faisaient pas avant. Hein, on ne peut pas dire non plus que la cubaine soit ce qu'il y a de plus carice, il y a tout ça. Mais tout de même, et il y a un certain port de bras et une élégance qui vient du cha-cha-cha. Il y a la rueda, qui au départ se faisait avec le cha-cha-cha, mais qui n'était pas avec des dames, et ce n'était pas ça. Simplement, les couples allaient soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit contre le sens des aiguilles d'une montre, avec quelqu'un qui chantait aussi des figures que les couples faisaient à l'unisson. Donc, c'est avec la rueda est née avec le cha-cha-cha. Et puis, il y a, par exemple, l'ouverture qui vient du cha-cha-cha. Et là, on va aller sur un débat qui touche vraiment la France. C'est étonnant. Il y a quelque chose d'étonnant. Cette ouverture, donc l'équivalent, on va dire, du dile que no. Mm-hmm. On est d'accord. Et après le dile que no, cette manière de se toucher la main en miroir, qu'en France, à mon grand étonnement, j'ai découvert qu'on appelait dile que si. Et c'est le seul pays où et j'ai visité des planètes, hein, et je vous assure qu'il n'y a nulle part ailleurs, et que quand je dis aux Cubains qu'on appelle ça dile que si, ils n'en reviennent pas. Cette chose a eu trois noms. Trois. Abre, cierra. Ouvre, ferme. Ensuite, pati, pami. Ce n'est pas ni pati, ni pami. Vous savez que ni pati, ni pami en rueda, c'est ça. Il va abajo, il va arriba. Ça, on le sait. Pati Pami. Et ça a dérivé dans Guapea. Le vrai nom de la figure en miroir qui suit le dile que no, c'est Guapea. Guapea vient de guapo. Guapo en Espagne veut dire beau, mais chez nous ça ne veut pas dire ça. Chez nous ça veut dire homme courageux de mauvaise vie. Vous imaginez un peu adossé
adossé là, el guapo. Hein, là, là. D'ailleurs, en français, on dit, je crois que ça se met au féminin, une guape. C'est un peu un langage qu'on va retrouver dans des films, dans des dialogues de Audiard. Audiard. Ah, voilà. Ça, c'est la guape. La guape. Alors, l'un des l'un des grands des premières époques qui m'a invité à enseigner dans son école en Argentine, Antonio Raimat, me disait que certains clubs, ils ont été fermés à cause des bagarres. Lui-même, il m'a montré, il a une entaille énorme ici, parce que en dansant, l'autre a sorti son couteau et lui, il se souvient qu'il était, il baignait dans son sang. Donc, c'était vraiment une époque de gens dangereux. Ça, il faut le dire aussi. Hein. Et puis, moi, je vais vous dire quelle est, et ça, ça va être une révélation pour beaucoup, quel est le vrai sens, l'origine du dile que no? Quelle est l'origine du mot dile que no? Alors, je n'ai pas envie de répondre parce que ce n'est pas à moi, mais j'ai une idée. Dis-la-moi. J'ai entendu dans un reportage dans mes recherches sur le casino qu'il y aurait un danseur qui, pendant un abricière, dansait comme ceci. Je ne sais plus lequel c'est. Je ne crois pas que ce soit El Oso, je ne sais plus. Maintenant, non, ce n'est pas El Oso, mais maintenant, je voudrais que les gens applaudissent Jérémy Mancera. Alors, en effet, de manière un peu poético-imaginée, certains expliquent cela par le fait qu'on ouvre et on dit non à la femme. Non. Le problème, c'est qu'ils le disent comme une vérité, puis ils le disent dans leur cours et ça fait boule de neige. En fait, c'est dit par Juanito el Abuelo, c'est dit dans un reportage à la télévision, et El Oso, dans ce que tu dis dans la vidéo, il était assis dans cette vidéo. Mmh. El Oso, exact. À ce moment-là, était assis. Ouais, et c'est surtout dit dans un grand livre, dans un livre de Borges et Sardiñas. Cela vient du fait qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Pedrito, petit Pedro, et qu'on surnommait Pedrito Rock'n'Roll, parce que, sans doute, et là encore une fois j'extrapole, sans doute excellait-il dans le rock. Le rock, c'était une folie dans ces années-là à Cuba, donc ça a influencé, le rock et le swing a influencé énormément, comme je disais, le casino, de par la complexité des figures ou le côté un peu plus spectaculaire, voire des acrobaties. Donc voilà pour l'apport du rock. Et donc Pedrito, au moment où il se séparait de la danseuse, il avait ce tic et il faisait le guapé à la Bresierra, à l'époque la Bresierra, et il faisait comme ça. Oye, dile, on dirait qu'il lui disait non à la femme. Oye, dile que non, qu'elle n'est pas diciendo que non. Et ça vient de là. Donc, s'il vous plaît, les professeurs de France et de Navarre, n'expliquez plus des choses parce qu'il vous semble que c'est comme ça, parce que vous avez cru entendre que... Vous, surtout maintenant, aujourd'hui, vous avez vraiment, merci beaucoup, vous avez vraiment la possibilité de demander, je ne parle pas de moi, de demander à des gens qui savent vraiment, et je crois savoir que Jack El Calvo regarde cette vidéo, et par exemple, tout ce qui est musique, oubliez tout ce que j'ai dit et demandez à Jack El Calvo, qu'on salue, qu'on embrasse, la plus grande admiration pour cet homme, ce Français, qui pour moi et pour beaucoup, voire pour tous, est dans le top 3 des DJ du monde. Vraiment. Jack El Calvo, Jack El Calvo, chapeau, sombrero, quitado. Et on l'embrasse beaucoup, beaucoup. On va faire des cheveux, Jack. Ouais, j'ai fait sa caricature, il faut que je la fasse en couleur. Ah, je ne l'ai pas envoyé, il faut que je la fasse en couleur, celle-là. Donc voilà pour les apports. Et qu'est-ce que j'ai marqué, hein? Oui, et... Tu me demandais comment il est né. Juste un mot sur le Casino Soñado. Casino Soñado. À l'époque, les bons danseurs dansaient sur le temps du son. Le danson se danse sur ce qu'on appelle la rythmique et non pas la mélodie. On est bien d'accord. Sur le tombeau de la... Coucou, pac. Coucou, pac. Sur la clave, un. Coucou, coucou, coucou. Coucou, le coucou correspondant au 4 et au 8. Donc, les bons danseurs dansaient sur ce temps-là et certains regardaient les autres danseurs qui dansaient de manière plus facile, à tempo, avec un certain, pas mépris, mais une supériorité. Donc, comme m'a dit un fondateur, aucun bon sonero à l'époque ne se serait permis de danser le casino sur le temps.
Une fois, j'étais à Paris et j'ai vu qu'il y avait une école que je ne vais pas nommer qui donnait des diplômes. Et le diplôme qu'ils donnaient en salsa cubaine, c'était parce que la salsa cubaine ne se lance que sur le 1. Attendez, je me suicide avec le stylo là, carotide. Voilà. Donc, voilà. Parce que, et donc là, c'est important de le dire. Et puis, l'apport, dernier apport, c'est, je l'ai dit, la rumba. Pour revenir à un danseur, on en a parlé, que tu admires beaucoup, Ángel Santos Lavín, qui habite en ce moment à Milan. Là, je crois qu'on va avoir une caricature. Mais qui fait ces belles caricatures? Mais il est trop fort. Mais dis donc. Voilà, Ángel Santos Lavín. Et qui est vraiment, c'est celui qui a gagné avec sa sœur le premier Para Bailar, le programme Para Bailar. Donc il est devenu extrêmement, d'ailleurs sa sœur a remplacé sa danseuse, il y a une anecdote comme ça, il ne devait pas danser avec sa sœur. Et lui, si vous voyez ses pieds, il met, on dirait qu'il glisse, et il met beaucoup de floreos. Floreos, ce sont des variants, des trucs pour... Et ça vient de la Colombie. Donc l'apport de la rumba est réel dans le casino. Voilà, j'ai fini pour cette question. Yes. Donc, je vais boire 6 litres d'eau. Et... Yes, t'inquiète. Alors, il te reste un quart d'heure encore à parler. Donc, t'inquiète. D'accord. Pas de l'eau. Juste petit détail avant que je passe à la question suivante. Il a parlé d'un livre. Alors, ce livre, je l'ai trouvé en dématérialisé. Je vais me le commander en matérialisé parce que j'aimerais le montrer à mes élèves. C'est un livre de Alicia Sardenas et Alain Borges. Exactement, Alicia Sardenas et Alain Borges. Qui s'appelle Historia del baile llamado rueda y del casino. Il me semble. Historia del baile llamado rueda y del casino par Alicia Sardenas. Et Alain Borges. C'est ça. C'est un livre. Alors, moi, il m'a beaucoup aidé à savoir quoi dire à mes élèves. Et je pense que pour beaucoup de profs, ça pourrait vraiment aider de lire ces bouquins. Il est en espagnol. Je n'ai pas trouvé de traduction. Je ne sais pas si elle existe. Je ne sais pas s'il y a parmi les gens qui... Je l'ai en anglais. Tu l'as en anglais ? Si quelqu'un a envie de... Je lui fais la lecture en anglais un jour. S'il y a des gens parmi nous qui sont éditeurs et qui veulent faire des traductions en français, j'ai plein de bouquins, que ce soit sur l'afro-cubain ou pour ça, sur ça. Ce serait extrêmement intéressant de traduire en français ce bouquin. Et je pense à un bouquin qui s'appelle... c'est un bouquin sur l'afro-cubain et sur les chants afro-cubains par un Canadien. Le nom m'échappe et c'est une honte de ma part puisque ce truc m'a percé. Enfin, monsieur qui est parti au Nigeria, qui a traduit des chants, etc. Voilà. Je mettrai le lien parce que j'oublie le nom. Et y a des bouquins intéressants à traduire. Donc, c'est un appel s'il y a quelqu'un qui veut traduire des bouquins en français. Vous êtes bienvenus. Alors, je continue dans mes questions parce qu'il nous reste un peu moins d'un quart d'heure. Je voudrais que tu parles de la musique. Puisque bien. On parle de danse, on a parlé du nom, on parle de danse, on parle de fondateur, mais le lien avec la musique, il est extrêmement important. Du coup, le casino n'étant pas un style de musique, est-ce qu'il y a différents styles de musique sur lesquels on danse le casino ? Qui sont endogènes, je suis précis, c'est-à-dire que tout danseur qui veut créer, si j'ai envie de danser le casino par créativité sur du jazz, je peux le faire, ça rentre dans une mesure de 4 ans, mais sur quelle musique à la base ça se danse, quelle avec un S, et le lien entre les deux. Tu as parlé du pas, du son qui peut se danser à contre-temps ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont vraiment marquées par la musique, et sur quelle type de musique? D'accord. Bah, au départ, évidemment, ça se danse sur ces musiques cubaines, comme je l'ai dit, qui étaient des sones ou des sones plus rapides, ce qu'on appelait la guaracha. Par exemple, Celia Cruz, n'oubliez pas que quand elle a, il y a une fameuse vidéo où elle parle avec Tito Puente, où elle lui dit « qu'est-ce que c'est pour toi la salsa ?» Enfin voilà, elle lui dit « la salsa, je l'avais dans les pattes ». Elle dit « maintenant, on appelle ça salsa, mais je chantais la même chose à Cuba et on appelait ça guaracha ». Donc, la guaracha a donné vraiment ce qu'on appelle, quand on dit salsa, on va plus aller vers la guaracha. Alors, il est évident que
qu'on peut danser sur tout ce qui est salsa. C'est évident. Vous mettez une salsa de Gilberto Santa Rosa, avec qui je vais bientôt faire un travail pictural cette fois-ci, donc je ne peux pas vous en dire plus par rapport à son vidéoclip. Vous pouvez danser sur du Marc Anthony, donc Jack Calvo est en train, lui, de se suicider en ce moment avec un tournant. Voilà. Et vous pouvez danser avec d'autres orchestres, des orchestres comme la Carrousele, Fruco y Sustesos, vous pouvez. Mais il est évident que ça va se danser avec des orchestres cubains. Et qui dit orchestre cubain, dit de plus en plus, depuis les années 80, 90 bien sûr, mais de plus en plus dit timba. On est bien d'accord. On est bien d'accord que c'est ce qui passe le plus, ce qui se fait le plus. Moi, en tant que parolier, j'écris des paroles de chansons qui sont interprétées par des grands orchestres cubains qui font de la timba. Donc, la plupart de mes chansons sont des timbas. Donc, qu'est-ce que c'est que cette timba par rapport... la timba, en fait, elle naît avec Irakere. Irakere qui était la... Mais si jamais Jack, il intervient, il me dit que j'ai tout faux, je l'écoute. Hein, parce que là, c'est son domaine à lui. Irakere, dont le pianiste était Chucho Valdés, évidemment. Ah, ma caricature de Chucho. Voilà, Chucho Valdés. J'ai mis 3 mois à lui faire les mains. Un travail de fou pour dessiner ses mains. Et voilà. Et donc, on va dire qu'est-ce que la timba en soi. C'est difficile, hein, mais ça va être la grande influence d'Irakere au départ avec de la rumba. Pourquoi je dis de la rumba? Parce qu'il y a Gregorio Hernández, el Goyo, que tu as connu, et tu as eu cette chance alors que moi, je ne l'ai pas connu. C'est magnifique que tu aies pu connu. Je n'ai pas connu Juan de Dios non plus, même si j'ai sa caricature, je te l'enverrai. Voilà, ça c'est la caricature que j'ai fait d'El Goyo, et paix à son âme. El Goyo disait, la timba, c'est la rumba déguisée. La timba est la rumba disfrazada. Donc, il parlait évidemment souvent de la clave negra qu'il faisait, de certaines structures. Et donc, ça c'est la timba, elle va... avec d'autres influences, jazz, etc. Bien entendu, bien sûr, mon Dieu. Mais là, ces deux vecteurs sont très importants et on attribue un peu à tort, d'ailleurs il s'en défend lui-même, la paternité de la timba à José Luis Cortés, el Tosco. El Tosco en espagnol veut dire quelqu'un qui est comme ça, Mossade un peu, voilà. Là, c'est la caricature que j'ai faite de José Luis Cortés, qui est le leader de NG La Banda, la que manda. Et si vous voulez savoir vraiment des choses sur la timba, il faut aller voir les lives sur son profil, je crois que c'est comme celui de Jérémy, vous pouvez aussi y aller si vous n'êtes pas ami, de Calixto Oviedo. Calixto Oviedo, donc on va le voir en caricature avec sa femme Lily Hernández. Ça y est. Voilà, Lily qui est plus grande que lui, donc j'ai accentué un petit peu, je crois qu'il m'en veut encore Calixto. Calixto, j'ai la chance, tu sais, dans la chanson que tu as mis au départ, dont j'ai écrit les paroles, Timba para los maestros, c'est lui qui joue la batterie. Donc, j'ai cette chance qu'il joue la batterie sur l'un de mes morceaux, c'est vraiment un privilège. Et bien, lui, si vous allez sur son profil, allez voir tous les lives pendant toute cette pandémie, il a fait des lives incroyables. Alors, la timba, c'est sur quoi on va aujourd'hui danser. Il y a des nouvelles manières de jouer du piano, il y a des contrastes rythmiques. Il y a une dislocation un peu des éléments qui la composent. Hein, c'est polyrythmique au possible. Elle est difficile. Des sonorités un peu plus agressives. Donc ça va être la timba avec ce fort mélange de jazz aussi. Il y a par exemple le docteur Danilo Orozco qui ne la définit pas comme un genre, mais comme un intergenre. Ce qu'on pourrait dire un sous-genre, un intergénero. Donc la timba ne se définit pas comme un genre musical, mais en tout cas pour Danilo Orozco, mais comme un intergenre musical, hein, une espèce de sous-genre. Et donc, c'est sur la timba qu'on va aujourd'hui danser davantage ce qu'on va appeler toujours casino, qui est la salsa cubaine. Et aujourd'hui, il y a eu un mouvement dans les années, par exemple, 80, début des années 90, on faisait plus des figures compliquées, nudos. À partir des années 2000, il y a eu, jusqu'à maintenant, il y a eu une plus grande prépondérance de l'interprétation musicale. Et dans le casino actuel, l'interprétation musicale se taille la part du lion. Et cela est possible surtout avec des timbas.
parce qu'elles permettent, les instruments sont à des niveaux tellement différents qu'on peut interpréter tel instrument, le cuivre au moment où il arrive, et le piano baga, et le bongo baga. Donc c'est cette interprétation des syncopes qui donne toute sa saveur. Voilà comment je le dirais, mais évidemment vous pouvez danser le casino pur et dur avec des salsas plus linéaires, on va moins se séparer, on va plus garder sa danseuse dans les mains. Voilà, voilà. Ok, très bien. Alors, j'ai une question. Alors, celle-là, je n'ai pas envie de dire que c'est la plus importante, mais je pense qu'elle va répondre à l'interrogation de beaucoup de gens qui commencent dans la communauté casinera. Justement, j'utilise ce mot exprès. Je voudrais que tu nous dises en quelques mots le rapport avec le mot « salsa ». Puisque nous parlons de salsa cubaine. Alors voilà le truc. On dit salsa. Salsa en France, on dit salsa cubaine, salsa portoricaine, qui est née à New York, salsa cubaine. Puis après, on entend que c'est né à Cuba. Du coup, pourquoi préciser cubaine? Puisque salsa, c'est salsa, du coup, puisque ça viendrait de Cuba. Et puis, pourquoi l'appeler salsa alors que ça a un autre nom? Ça s'appelle baile de casino. Pourquoi on ne dit pas simplement casino? Il vient d'où ce mot, déjà? Il vient d'où? Pourquoi on l'a utilisé? À partir de quand, peut-être, s'il y a un moment? Et pourquoi on précise cubaine? Très bien. À cause du marketing. Ça, c'est la réponse. Et maintenant, je vais la développer. Parce que si j'arrête la réponse là, ça ne va rien comprendre. À cause du marketing, je m'en vais, tu vois? C'est ça. À cause du marketing. Alors, attends. Alors, je viens de... Il y a ma lampe qui me fiche le camp. Enfin, je ne sais pas. Attends. Voilà, je regarde. Alors, et tu as bien dit le mot salsa. Et ça, attends, on dirait Boris Karloff, là. On dirait Dracula. Attends, c'est... Voilà. Et tu as dit le mot salsa. C'est ce qu'il fallait dire. Salsa est juste un mot. C'est un nom. Juste un nom. Ce n'est en tout cas pas un genre musical. Après, la danse, on verra. D'accord, je vais y revenir. Qu'est-ce que salsa? Il y a quelques jours, nous quittait Johnny Pacheco. Et j'ai écrit dans un journal, peut-être le plus grand journal de Suisse romande, j'ai écrit, certainement c'était un hommage, j'ai écrit un article il y a quelques jours, mais c'était un hommage et c'était un noyautage aussi de ma part. Un noyautage, donc une infiltration de ma part. Voilà, ça c'est donc Le Temps, qui est un journal plus intellectuelo-économique, qui en général ne parle pas de salsa. Mais bon, là, j'ai pu écrire cet article. Et j'ai voulu bien évidemment lui rendre hommage, mais j'ai profité pour... j'ai parlé de la chanson que j'ai écrite pour Roberton, et j'ai parlé du mot salsa. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que salsa? Et d'ailleurs, il ne s'en cache pas lui-même, hein, il ne s'en cachait pas. Et salsa est un nom commercial que Johnny Pacheco et la Fania, le label Fania, Fania créé au milieu des années 60, ensuite avec l'orchestre Fania All Star, et donc lui et Jerry Masucci, ont trouvé pour regrouper des rythmes essentiellement cubains, avec d'autres apports, bien sûr, d'autres rythmes antillais, avec du jazz, le jazz qui vient partout, hein, parce que n'oubliez pas que le Latin jazz doit tout à un cubain qui s'appelait Chano Pozo. Cuba est partout. Donc, il devait trouver un nom commercial, comme il le dit lui-même, à ces rythmes-là, parce qu'il y a une vidéo où il dit, dans des pays comme le Japon, etc., il fallait leur trouver un nom générique. Donc, on a trouvé le mot salsa, qui est un mot pour vendre une musique essentiellement basé sur les rythmes cubains. C'est pourquoi dans cette chanson que j'ai écrite, « Empieza mi son » et qui est interprétée par Roberton de Los Van Van, je cite dans une des strophes Johnny Pacheco, Tito Puente et Rubén Blades. Rubén Blades dont la maman était de Regla, tu as parlé de Regla tout à l'heure, la maman de Rubén Blades est cubaine. Donc, salsa, pourquoi salsa? La théorie la plus crédible, d'autant plus crédible que moi, quand je suis allé enseigner au Venezuela, j'ai vu des petits bustes qu'ils vendaient au créateur du mot salsa. Et qui est ce créateur? Il s'appelle Fidias Danilo Escalona. En fait, Fidias Danilo Escalona était un grand journaliste et quelqu'un qui avait une émission de radio très importante. Elle s'appelait « La hora del sabor de la salsa y el dembé ». L'heure du goût,
de la salsa et du bembé, qui est le seul terme musical de ces trois choses. Et, paraît-il, Pacheco, Masucci et compagnie se sont inspirés de ce nom pour appeler ça salsa, cette sauce. En plus, il a dit la sauce des les musiciens de ce label venaient d'horizons différents, donc ça faisait une sauce. Alors, pour la danse, c'est évident que cette musique se diffuse en tant que salsa et que la danse qui en découle va s'appeler salsa. Avec tout le pouvoir du marketing, made in USA, c'est sûr, c'est évident. Là, l'île de Cuba, depuis 59, elle a un blocus. Elle a un blocus. Donc, les musiciens, surtout avant, sortaient très difficilement de l'île. C'était très difficile pour eux de s'implanter. D'ailleurs, l'un de ces, je ne sais pas si c'est Tito Puente, ou l'un de, il y a une vidéo où l'un d'entre eux dit « Le jour où les Cubains sortiront de l'île, il va falloir qu'on retourne tous à l'école. » Il ne dit pas « l'escuelita ». Ça, c'est très important. Alors, ça s'est connu en tant que salsa. La danse à Cuba s'appelait casino. Ça restait confidentiel. Ça restait à Cuba. Ça se développe. On a bien vu que la rueda et le casino, elles débarquent à la télévision cubaine dans les années 80, alors que la salsa existait en tant que salsa depuis les années 70. Donc, il est évident que la salsa, en tant que nom non musical et nom de danse, allait manger cette appellation de casino pour la danse. C'est évident. Maintenant, pourquoi c'est revenu un peu en boomerang? Alors, il y a... Fidas Escalona n'était pas le premier à dire salsa. Il y a des morceaux, on me faisait écouter, ou bien avant, des morceaux de son, où certains Cubains même disaient la salsa, ils parlaient de la salsa. Ignacio Piñeiro, le grand Ignacio Piñeiro, je n'ai pas envoyé une caricature de lui, honte à moi. Et il y a un morceau qui dit « Échale salsita, mamá, échale agua, à la calme. » Et voilà. Et Ignacio Piñeiro, je crois que c'est le seul musicien qui ne nomme pas Jack El Calvo dans une de ses chansons. Je crois que c'est le seul. Mais s'il avait été vivant aujourd'hui, il aurait dit « Échale salsita, mamá, Jack El Calvo, échale. » C'est sûr, c'est évident. Et d'ailleurs, donc, donc à Cuba, ils ont repris ce phénomène mondial salsa, ils l'ont repris à leur compte, ils ont commencé à appeler ça salsa. C'est clair qu'on ne peut pas enlever le mot salsa de Cuba. Donc, que ferait Michael Blanco sous salsa major? Il faut qu'il change le nom de son orchestre. C'est évident ça. Que non. Mais donc, ce qu'on appelle salsa cubaine, c'est, ça fait un effet boomerang un petit peu, qui est revenu par la commercialisation efficace du mot salsa. Et bien, c'est revenu justement après le casino. C'est de la salsa cubaine. Donc, salsa cubaine, pour certains Cubains puristes, c'est antinomique. Et il y a un phénomène au niveau de la danse qui a vu l'émergence au Venezuela, mais qui a ensuite touché d'autres pays comme le Panama. Quand je suis allé enseigner au Panama, ils appelaient ça comme ça. Ils appellent salsa casino. La salsa casino. Qui veut dire simplement, ici on danse casino, mais c'est de la salsa. Le problème, et moi je trouve ça assez intelligent, parce que je parlais d'infiltration, de noyautage. C'est ce que j'ai essayé de faire avec cet article sur Johnny Pacheco. Mais si vous mettez des... Par exemple, une personne veut danser la salsa. Tiens, je veux danser la salsa, je ne sais pas ce que c'est. Et vous placardez des affiches. Du temps, il y avait des affiches, hein, je suis resté au Moyen-Âge. Et vous placardez des affiches où vous proposez des cours de casino. Le néophyte va croire que tu veux lui enseigner comment mettre des sous dans des machines. Comment tu veux des roulettes? Quelles sont les bonnes combinaisons pour t'enrichir au casino? Au casino des viands. Au casino des viands. C'est ça. Donc, voilà. Donc, ils vont dire, ah bah, eux, ils font des cours de casino. Non, nous, on veut de la salsa. Ils vont chercher la salsa. Donc, attention au trop de puritanisme qui tue la pureté. Donc, je trouve que salsa casino, ces mots à côté, ces mots mis ensemble, est une chose assez intelligente. On fait de la salsa, mais notre salsa, c'est du casino. Une fois que les élèves viennent à toi, tu peux leur expliquer tout ce que je vous dis. Voilà pour le rapport entre la salsa, salsa cubaine. Ok. Parfait. Alors, on va faire rapide pour les deux derniers trucs, puisque j'ai une question importante et j'ai une question, on va dire, pour moi. Et on va essayer de faire rapide parce qu'on dépasse un peu le temps, mais c'est pas très grave, c'est intéressant. Je voudrais que tu nous parles aujourd'hui du casino. Alors, je vais un peu bouger la question. Si aujourd'hui quelqu'un
s'y met. Il rentre dans un truc, il dit, voilà, moi, la salsa, ça m'intéresse. Voilà, il entend Casino, il tombe sur le live d'un mec avec son EPAP Madras qui dit, ah tiens, il y a un truc qui s'appelle le Casino. Il dit, ok, d'accord, moi, vous m'avez convaincu. Ok, aujourd'hui, je regarde qui. Je cherche qui si j'ai besoin d'un stage ou d'un cours par Zoom, puisque en ce moment, c'est ce qu'on fait. J'écoute qui. D'accord ? Est-ce que je vais éviter de taper salsa sur YouTube. Donc, j'écoute qui ? Quelques noms. Qui voilà, sur les profs et les musiciens, finalement. C'est ça, les profs et les musiciens. Voilà, je me suis fait une petite liste en prévision de cela, parce qu'il y en a tellement. Donc, mes collègues, la première chanson que tu as mise, que j'ai écrite encore une fois, s'appelle Timba para los maestros. J'ai voulu rendre hommage, puisque je nomme certains de mes collègues du circuit international, je m'inclus moi-même. J'ai eu le toupet, mais évidemment, toute liste est limitée parce que c'est presque non exhaustif. Ils sont tellement, donc je vais juste en nommer quelques-uns. Mais sachez que ne m'en veuillez pas ceux qui m'écoutent. Je crois qu'il y a en ce moment, il y a 852 000 personnes connectées. C'est ça, Jérémy, je crois ? C'est à peu près ça. Ouais, ah, voilà. 63 000, t'as oublié. Mais... Voilà, exactement. Donc, voilà. Moi, je vais nommer, bah, tu l'as mis avant, Ángel Santos. Ça, c'est vraiment, il est toujours vivant et très, très vivant. Il est en Italie. Donc, Ángel Santos, le voilà, qui a gagné le Para Bailar. La grande référence, vraiment. Si on reste à Cuba, je vais dire Jorge Luna, qui est le directeur de la compagnie All Star de Santiago. Et qui sera dans le jury du prochain championnat du monde de Rueda de Casino, et je vais être président de ce jury, c'est-à-dire je vais juger les juges, hein, le gars qui en fout pas une. Et il y a l'incontournable Yannick Revilla, donc avec sa compagnie, et voilà, Yannick, j'ai fait sa caricature aussi, je les ai tous assassinés, et vraiment, si vous avez la possibilité de voir des stages de Yannick, c'est merveilleux. Et je vais continuer un peu sur les hommes. Il y a Emilito Herrera, c'est un casinero pur et dur. Vraiment, c'est considéré un casinero de pura cepa, comme on dit. Voilà, là, je l'ai fait. Et puis, en haut, je l'ai fait danser. Et puis, il a toujours le bras droit. Quand il guide avec l'autre bras, il a un peu le bras ballant. C'est un peu sa caractéristique. Mais c'est un grand, grand casinero, très fort en nudos. Nous avons Juan José Ortiz, qui habite à Barcelone, qui est un tout grand. Nous avons Gaston Carvalho, qui habite à Mallorca, qui est le roi des nudos. C'est-à-dire, avec Mónica, ce qu'il fait au niveau des nudos est juste incompréhensible. Je pense que ce sont deux extraterrestres. Nous avons Rafael Varo. Lui, il met pas mal de rumba, certes, mais Rafael Varo, il habite en Allemagne, il défend le casino de la calle, comme on dit, le casino de la rue. Et comme femme, nous avons la grande, immense Carelia Despeñes, Carelia qui est à La Havane. Voilà, en fait, elle est de Santiago, mais elle habite à La Havane. Donc, dès que vous pouvez aller voir des vidéos de Carelia Despeñes, nous avons Jocelyn Hernández. Jocelyn Hernández est la Casona del Son. La Casona del Son à La Havane propose des cours en ligne en ce moment, sinon des cours, par exemple, pour les touristes, ou même, c'est des cours très, 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 très bons. Et Jocelyn est un peu la passionnaria de ce casino ou de toute autre danse. Nous avons celle qui fut ma partenaire pendant longtemps, Lacey Smith, qui habite à Bologne en Italie et qui organise le festival Casino Cubano, où j'étais invité avec elle. On a enseigné un peu partout, on a enseigné en Australie, à Bahreïn, on a enseigné au Cap, je ne sais plus où, on n'a pas enseigné avec elle. Et je lis encore, Jorge Camagüey, on en a parlé. Jorge, c'est beaucoup de timba aussi, mais Jorge, il organise aussi, où est-ce qu'il m'a invité, comment il s'appelle, Puro Casino y Sazón, je crois. Voilà, son festival qui s'appelle Puro Casino y Sazón. Et nous avons d'autres grands, là je dis, par exemple, Alberto Valdés, el papa de la salsa cubana en Europe, comme on l'appelle. Alberto Valdés qui m'a fait parvenir des textes poétiques. Hein. J'ai cette chance d'être un des seuls, voire le seul, qui a les textes d'Alberto, qui écrit très bien. Alberto, on ne va pas le définir comme un pur casinero, mais au moment de faire du casino, il le fait vraiment merveilleusement. Nous avons Roinette Pérez, qui maintenant fait pas mal de timba, et maintenant
il fait aussi du bodybuilding, il est un Roinet, qui habite en Finlande. Je suis allé enseigner dans son école en Finlande. Lui, il est arrivé deuxième derrière Yannick Revilla lors de ce fameux Parabailar Casino de 2004, où Yannick a gagné avec Diana. Bah, avec Diana, par exemple. Voilà. Roinet. Et lui aussi, pas mal. Il y a Diana qui au départ était une casinera, Diana Rodriguez, elle habitait en Russie et maintenant elle est en Espagne, et vers Alicante. Et c'est une casinera merveilleuse. Et vous avez, bah, pour parler de casino au moment de danser le vrai casino, Tomasito Santamaría, qui faisait partie de Clave Negra avec Alberto Valdés ou Emir García ou Eloy Leiva. Tomasito Santamaría, qui, avec son beau costume gris, qui a un matériel inédit, je ne sais pas si c'est le gojo qui le lui a donné, mais le bruit court que Tomasito, je crois qu'il y aura, voilà, ça c'est ma caricature de Tomasito, toujours avec sa frange, je crois que lui, il aura 180 ans, il aura sa frange, comme ça, sa marque de fabrique. Et puis nous avons des danseurs plus timba, vraiment plus timba, ou, comme par exemple Junai Sifarray, avec son partenaire D'Angel Rodriguez. Junai ici qui en ce moment avec voilà, j'ai fait D'Angel en tout petit, il m'en veut encore. Et Junai, c'est cette diva qui maintenant, avec son partenaire D'Angel, ils ont inventé, ils ont créé ce qu'on appelle le son moderne. Donc c'est un son dansé un peu différemment, avec un peu d'influence de tango, enfin c'est, voilà. Mais eux étaient des bons timberos. L'immense, ma sœur, on va dire, mi hermana, Janet Fuentes, la danseuse de Shakira, la danseuse de Rihanna, la danseuse d'Alicia Keys, voilà. Et Janet qui habite au Royaume-Uni, une timbera de corazón. Comme femme, nous avons encore Jenny Molinette, qui habite en Italie, qui est donc la femme de El Gato Volador, un autre grand DJ. Voilà, ça c'est Jenny Molinette. Et nous avons l'incomparable Madeline Rodriguez qui habite à Toulouse. Non, elle est à Bayonne. Déplacée à Bayonne. Voilà sa belle expression que je lui ai faite de Madeline. Et bien sûr, et Madeline et Mario Chalón, qu'on va sans doute voir, ils sont connus comme étant des grands soneros. Mais quand ils dansent la timba ou el casino, pero bien timbeado, c'est une merveille. Ça, c'est Mario, je l'ai fait. Je l'ai fait comme ça et je l'ai fait aussi là-haut en train de faire son fameux tornillo couché. Et les grands timberos qui aujourd'hui qui battent le haut du pavé sont Rolly Madden. Avec lui, j'ai une belle anecdote parce qu'on était juste championnat du monde en 2006 et il m'a amené danser à 100 km dans une discothèque. Et quand on est revenu, on n'a pas dormi, on a jugé le deuxième jour, on n'avait pas dormi. Donc moi, je ne sais pas qui j'ai mis au premier championnat du monde. Là, je suis désolé. 15 ans plus tard, je l'avoue. Je n'avais qu'une envie, c'était de dormir sur la piste, donc je pense que j'ai mis les places n'importe où. Je suis désolé, pardon, c'est sa faute. Il y a Seo Fernandez, un grand personnage, Seo qui chante aussi, hein. Remeneate, c'est lui. Il y a le grand, l'immense, peut-être le numéro un en ce moment, Michael Fons, qui est une vedette de la télévision italienne, avec l'émission Ballando con le Stelle, et il vient de gagner avec la petite fille de Mussolini. Il a dansé avec la petite fille de Mussolini, malheureusement, elle épousait un peu les idées de son grand-père. Hein. Enfin, il faisait que de la danse, je ne pense pas qu'il parlait politique là. Mais enfin, voilà. Donc, dans les photos, je regardais surtout Michael, je ne regardais pas la petite fille de Mussolini. Il y a ce merveilleux couple, Wilmer et Maria. C'est une merveille de les voir danser. Il y a Joan Di Villarrutia, qui est le mari de Sophie Fox. Donc, pour ceux qui aiment la kizomba, Joan Di Villarrutia qui vient de sortir une chanson, parce qu'ils chantent aussi, ils chantent tous à peu près. Et donc, le mari de Sophie Fox, et vous avez, je vais en finir avec un, je pourrais en citer 8000, mais vous avez Joannis Tamayo, el pequeño gigante, le petit géant, comme l'appellent certains, qui est en France. Ouais, qui est une vraie merveille sur pattes. C'est pas très joli, comme je l'ai dit, mais c'est... Vraiment, Johannes, ce qu'il fait avec son corps, et quel merveilleux professeur, il donne de lui-même, ouais, très fort. Et puis tu me disais, les musiciens, les orchestres, ah bah pour finir, je vais dire certains, et sans doute Jack El Calvo, les autres DJ qui écoutent, ils vont dire, mais pourquoi il a dit celui-là, il lui a manqué l'autre. Et puis je vais un petit peu
me mettre en avant aussi. Je tiens juste à préciser une petite chose, je vais faire un petit peu d'autopub, c'est que j'ai aussi bien un site qui s'appelle Le Monde Isnardi, lemondeisnardi.fr, qu'une chaîne YouTube qui s'appelle Le Monde Isnardi, où je fais des vidéos toutes les semaines autour de ce sujet. Je l'ai fait en français avec mon équipe de travail, je l'ai fait ici même, dans cet atelier. Donc voilà, voilà le, si vous voulez avoir le monde d'Isnardi, c'est peut-être un peu déconstruite, plus déconstruite encore que la timba. Donc vous pouvez aller visiter ça. Pour les musiciens, je dirais bien sûr Los Van Van, Los Rolling Stones de la salsa. Et donc j'ai dans leur dernier clip, Bambaneo, vous pouvez voir mes caricatures animées pour certaines d'entre elles. Vous avez Michael Blanco et su salsa mayor. Emilio Frias El Niño avec son projet Voces de Hoy. D'ailleurs, je le dis en exclusivité, Emilio Frias vient de chanter l'un de mes textes et il sera bientôt disponible. Et Havana de Primera avec Alexander Abreu qu'on ne présente plus. Vous avez Dan Den, j'adore, je suis fan de Dan Den. Misael Cabrera avec qui j'ai écrit Ahora le toca ella où je dénonce la violence de genre. Misael Cabrera qui est un des artistes les plus prolifiques. Pedrito Calvo Jr., avec qui j'ai fait Casinero sí o sí, Aizar y El Expreso, Aizar donc qui était musicien de La Rebé et qui a pris son envol. Bah, vous avez justement La Rebé, qui est plus Changui, mais c'est voilà, La Rebé avec la voix magnifique aussi bien de la China que de l'Indio quand ils chantent, bon, ils chantent pas toujours. Et plus son, vous avez Adalberto avec Adalberto Álvarez y su son, avec sa fille Dorgelis au piano, Dorgelis Álvarez, ou Yurismar Sánchez qui chante. Vous avez Yasser Ramos, Majimbe, avec qui j'étais en conversation tout à l'heure, juste 5 minutes avant le live, parce qu'ils vont chanter aussi 2 de mes chansons. Majimbe qui est à Pérou, et qui, leur directeur est Bárbaro Fines. Et là, je parlais à Miguel Hernández, son chanteur. Vous avez Climax, hein, Là, j'ai fait la caricature aussi du directeur, mais je ne l'ai pas envoyé. Voilà, le pilote. Vous avez Manolito y su trabuco, évidemment. El Noro, qui s'appelle Noris Ley. NG Lavando, on en a parlé. Timbalive. Angel Joss, qui est en France. Il parle bien français, évidemment. Candido Fabré. Mon Dieu. Après, vous avez Ayla Montpied, la diva de Cuba. Tania Pantoja, Michel Massa, quelle voix Michel Massa. Il a eu des soucis au Pérou, mais heureusement, il est à Cuba maintenant. Et Michel Massa, il faut que vous sachiez que c'est le fils de celle qu'on appelle la cubanissima Beatriz Márquez, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Et Beatriz Márquez, donc vraiment une voix incroyable. Et c'est la maman de Michel Massa, une autre voix fantastique, Tirso Duarte. Tirso Duarte, Alain Pérez, Janela Brooks, René Álvarez, avec qui j'étais en conversation juste avant que je sois en conversation avec Majimbe, parce que René Álvarez va aussi chanter l'un de mes prochains textes, enfin voilà. El Hijo de Teresa, qui est vraiment Iván, El Hijo de Teresa, Will Campa, Papucho y su Manana, et je finis avec l'Orchestre Aragón, dont je suis le caricaturiste. C'est un orchestre qui a 80 ans. Évidemment, ce n'est pas les mêmes musiciens. Hein. Là, c'est le fils de Rafael. Ils s'appellent tous Rafael Lai. Rafael Lai, son fils s'appelle Rafael Lai, et le fils du fils s'appelle Rafael Lai. Tous Rafael Lai. OK. Alors, voilà. Voilà pour les groupes, et j'en oublie, et je demande pardon à tous, surtout DJ qui m'écoute. Et voilà pour les groupes que j'aime. Ok, parfait.